Hey, salut tout le monde, c'est Spectrolo, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, on se retrouve pour le play de Pokémon version Soul Silvermoon Nuzlocke. Alors pour le moment vous n'allez pas voir la caméra donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc juste dans l'épisode précédent, j'expliquerai qu'est-ce qui s'est passé plutôt, excusez-moi. Donc là on va récupérer le Mindraco, donc à savoir pourquoi je n'avais pas reçu le Mindraco au tout début, ben, tout simplement parce que Sandra nous avait pas donné la CT Dracochoc, et donc le Vénérable ne vous voulait pas nous donner le Mindraco, donc oh bienvenue, tu tombes au bon moment, j'ai quelque chose pour toi. Voilà, on va recevoir le Mindraco, donc à savoir que je peux avoir ce Mindraco tout simplement car j'ai mis des max repousses tout au long de l'épisode à l'entrée du dragon, donc je peux avoir ce Pokémon, voilà. Il faut savoir que c'est un Pokémon petit dragon, donc c'est plutôt un bon Pokémon en soi. Donc on va juste voir ses stats et ensuite je vais l'XP niveau 29 car il évolue au niveau 30 Mindraco, au niveau 30 en Draco, voilà. On va voir un petit peu ses stats. Alors il a une bonne attaque physique, attaque spéciale 28, d'accord. Et ses attaques sont plutôt pas mal, regardez. Il a vitesse extrême, une puissance de 80, et ça c'est non négociable. Caché Glaire, Couragan et Dracorage. Donc je pense que ça peut être un bon Pokémon dans mon équipe. Alors je le remplacerai donc Marco DT, comme vous avez vu, parce que Marco DT n'est plus dans mon équipe et c'est fait exprès tout simplement. Donc là je vais XP Mindraco. Je vais le faire XP Mindraco en Draco. Et vous allez voir l'évolution et après on commencera l'épisode. Mais avant ça, quand il sera un Draco, je le mettrai au niveau 35 ou 38 à peu près, je pense. Voilà, allez, on se retrouve pour l'évolution. Et voilà, Mindraco a évolué en Draco. Voilà, donc maintenant je vais l'XP. À moins qu'il apprend pas d'autres attaques, mais à mon avis, il apprend pas d'autres attaques. Bon, maintenant, je vais l'XP environ au niveau 35, puisque, ou peut-être 38, ou peut-être 40 maximum. 40, ça sera le maximum que mon starter. Voilà, on se retrouve pour la suite. Hey, salut tout le monde, c'est Spectrolo, comme ça va, on se retrouve pour l'esprit de Pokémon version Soul Silvermoon Nuzlocke Challenge. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, j'ai été à l'arène de Sandra afin de démonter la championne, et malheureusement, j'ai perdu Raikou et j'ai été un petit peu dégoûté. Et j'ai XP tous mes Pokémon niveau 40 parce que on m'a dit qu'il fallait que j'XP un petit peu. Mon niveau était un petit peu trop bas, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc vous avez vu au tout début de l'épisode, vous avez vu que j'avais pris un Mindraco, donc niveau 15. Ensuite vous avez vu l'évolution indirecte et je l'ai monté niveau 40. On va voir un petit peu ses stats. On va voir un petit peu ses stats. 84 en physique, c'est en attaque physique, c'est bien. C'est vraiment pas mal. Au niveau des attaques, vitesse extrême, Draco Charge, Hydro Cul et Draco Rage, super. J'ai un petit peu peur. Et ah oui, en hors champ, il y a One Island qui a pris Crochet Venin à la place de Cruel, voilà. Et qui peut gravement empoisonner, donc ça peut peut-être aider. Alors, on va commencer tout de suite. Nous allons ici maintenant mettre à l'épreuve tes talents. Lord Ali peut-elle commencer? Oui. J'ai très très peur. Hein. Montre-nous la force du lien qui t'unit à ton équipe de Pokémon. Et c'est parti, on y va. Noctalie. Alligator qui est niveau 40, qui peut peut-être peut faire très mal. En plus, il attaque plus rapidement que Noctalie. Enfin, ça fait que dalle. Ça fait que dalle. On va changer de Pokémon. On va prendre... je pense qu'on va prendre... On va prendre Draco, tiens. On va prendre Draco, on va faire vitesse extrême. Vibre obscure, est-ce que ça fait beaucoup de dégâts ça ou pas? Ah quand même, hein, quand même, ça fait beaucoup de dégâts. Vitesse extrême, vas-y, combien ça enlève? Juste pour voir un petit peu. Vas-y, vitesse extrême, vas-y. Ah ça fait pas grand chose, hein. Ballon, oula. Attention, ça fait mal ça. Oh, coup critique en plus. Ah ouais, ça rigole pas, hein, ça rigole pas du tout là. On va peut-être galérer là, ce truc là, ça va être assez chaud là. Excuse-moi, vous avez vu la souris, excuse-moi. Encore vous voyez la souris, excuse-moi. Dernier recours. Qu'est-ce que c'est que cette attaque sérieux hein? Oh mon dieu, mais c'est quoi ces dégâts? Oh mais c'est horrible, c'est horrible. Ah oui non c'est...
Ah ouais. Dernier recours là, ça rigole pas. Hein. Putain. Ça fait trop mal, ça fait trop mal. Hein. Draco charge, vas-y. Allez, tue-le, tue-le, tue-le. Vas-y, n'aie pas peur, tue-le. Ah putain. C'est chaud, c'est très très chaud là. C'est dur hein, là. Ça s'annonce plus dur que prévu. Je connaissais pas cette attaque, il a fait très très mal. Regardez-moi ces dégâts. Vitesse extrême. Attaque en premier. Vas-y, tue-le, tue ce putain de Nectali là, sérieux. Allez, tue-le, tue-le, tue-le. Putain, mais tue-le, bordel. Oh, mais sérieux. Oh là 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 là. Allez, vitesse extrême. Ah non, mais c'est horrible, hein. Là... Voilà, il a résisté. C'est nickel. Voilà, premier combat de fée. Génie tragique que lui, un seul Pokémon, c'est contre toi. Beaucoup de Pokédollars, c'est bien. Mais ils me font peur, hein, ils me font peur, hein, sérieux, déjà le premier dresseur, la première dresseuse là, quelle force tu as là, tu m'avais secouru dans le bois aux chênes, je suis Umeko, hein, d'accord, ouais, parle beaucoup, hein, on va passer les dialogues, hein, parce que là, voilà, quoi, il y a trop de dialogues, je trouve, hein, voilà, Mentali, ah là, là, c'est un petit peu plus rapide, voilà, ma cheville, ah, et putain, elle est plus rapide que moi, oh, les dégâts qu'il m'a mis, ah, il l'a pas tué, hein, il l'a pas tué, on va faire attention, on va remettre une hyper potion, parce que là, il en faut bien. Hein. Alors, vas-y, psycho. Ah, il faut que tu t'attaques en premier, il faut que j'attaque en premier. Hein. Machouille, vas-y. Putain, mais sérieux. Oh, il a résisté, les amis. Ah, putain, l'écran qui va se barre en couille, voilà. Voilà, excusez-moi. Il a résisté, heureusement qu'il a résisté, parce que là, pff, oh putain. On passe les dialogues, hein. C'est très rare que je... Comment dire, c'est très rare que j'accélère le jeu, mais là, il en faut vraiment. Là. Voilà. Donc en fait, ils disent, on a secouru les cinq danseuses. Pyroli, Pyroli, attends, non, on va soigner direct. Hein. On tente pas. Pourquoi je veux lancer une boule? Je suis un peu taré, moi. Après, on va soigner Draco. On va soigner Draco. Ah, je vais accélérer, hein, je vais accélérer parce que là... Il attaque, ça fait que dalle, c'est bien. Je vais soigner mon petit Draco. Tac, 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 voilà, c'est bon. Tac, 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 voilà. Feu follet, il me fait chier à me brûler, hein. Il me fait chier à me brûler, hein. On va aller, on s'en fout. Vas-y, on s'en fout de ta vive attaque, on est un fou. Et vas-y, on... Ah, on le tue pas, hein, on le tue pas du tout. Putain, j'ai cru qu'on l'aurait tué, hein. Ah, c'est bien, j'attaque en premier. Et voilà, nickel, ça c'est bien. Hop, je monte au niveau 41. Parfait, les amis. On a battu Satsuki. Allez, on accélère un petit peu. Hein. Qu'est-ce qu'elle va me donner comme Pokémon? J'ai un peu peur. Qu'est-ce que c'est? Putain, Voltali! Ah ouais, ouais, je rigole pas. Hein. Putain, Voltali. On accélère. Hein. Tonnerre. Oh! Tonnerre, coup critique plus paralysé! Putain, ils sont sérieux! Oh! Putain, mais sérieux là! Ouais, vitesse extrême, tu vois. Oh, nickel, sa capacité spéciale qui agit. Nickel, vitesse extrême, mon gars. Oh, bien, coup critique, c'est bien. Vas-y, tu vas le faire, tu vas le faire! Ouais, on l'a réussi, putain. Yes! C'est bien, c'est bien. Excusez-moi pour l'accélérer, mais faut vraiment qu'on accélère parce que là, c'est plutôt chaud. C'est plutôt chaud, les amis. Et là, quel dernier Pokémon, qu'est-ce qu'elle a? J'ai un peu peur, hein, là. Qu'est-ce que t'as comme Pokémon? J'ai peur. Aquali! Ah putain, l'Aquali, sérieux. Oh putain. Ah la Aquali. En plus, je crois que Aquali... Bah, je croyais qu'il était plus paralysé, et après il se reparalyse, je comprends pas, là, le... Un peu chelou, là. Surf. Hein.
Heureusement qu'il fait pas trop de dégâts, mais la brûlure commence à faire un peu mal là. On va mettre un total soin. C'est le total soin, voilà. Tac. Voilà. Surf. On va tenter une tranche. Oh, il aurait pu faire un coup critique, hein. Clairement, il aurait pu faire un coup critique. Résiste, résiste, hein. Parce que là, il me fait peur avec ses surfs. Hein. Hyper potion. J'ai peur. J'ai peur de perdre un Pokémon, hein. Franchement, là. Surf. Allez, vas-y, montre-moi ce que tu es. Il fait mal, hein, fait comme moi. On va faire un petit tranche. C'est bien, je suis rapide. C'est bien que Nutita fait rapide, ça fait plaisir. Midlife, c'est bien. On accélère un peu. Wow, 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 on accélère plus, là. Puisque le coup critique surf m'a un petit peu choqué, là. Eh, ouais, là, putain. Là, tu vas arrêter de me saouler avec tes surfs à la con, là. Dégage. Allez, tue-le. Voilà, parfait. Voilà, les amis, on a tué les 5 graisseuses. Aucune erreur n'est possible. Tu es digne de posséder cet objet. Prends-le. Alors, pourquoi j'ai accéléré? Parce que j'aimerais faire aussi l'endroit donc des tourbisiles en même temps. Donc, à savoir Lugia, en fait. Lugia ou Lugia, voilà. Maîtresse, l'ombre d'un gigantesque Pokémon plane sur les tourbilles. Se pourrait-il que... Jeune Spectre, nous partons sans plus attendre pour les tourbilles. Voilà, donc ce qu'on va faire nous aussi, c'est qu'on va se rendre aux tourbilles. Mais avant ça, on va faire... on va sauvegarder, hein, on va sauvegarder directement, parce que j'ai un petit peu peur. Et on va se soigner aussi. On va se soigner et on va se rendre aux tourbilles. Donc il faut qu'on démarre d'Irizia. Mais je sais que c'est un labyrinthe, donc on... Donc voilà, ça va être assez chiant. Ça va être assez chiant. Mes Pokémon nous ont pris cher, je crois. Ouais. On va voler vers Irizia. Parce que j'ai pas envie que l'épisode soit trop long non plus. C'est vrai que dans ce moment, je fais beaucoup d'épisodes plutôt longs. Et bah des fois, je peux pas tourner plus d'épisodes. Parce que j'aimerais bien finir ce let's play. Et demain, je reprends le taf. Et oui, demain, je reprends le taf. Et donc, j'aimerais bien que j'avance un petit peu plus dans mon let's play. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, c'est le manager des arènes. Et dans noir et blanc, ils donnent des eaux fraîches. Ça, c'est pas mal, ça. Mais ils en donnent pas, et c'est des radins. Ouais. À savoir aussi, je pourrais avoir parmi les trois... parce que, rappelez-vous, dans les anciens épisodes, mais oui, ça date, hein, je vous avais parlé qu'on pouvait avoir un des trois œufs de Pokémon, à savoir Limagma, Axolotl et Watwat. Grâce à un code Nintendo, enfin un secret Nintendo si vous voulez, comme quoi on peut avoir l'un des trois œufs, donc à savoir Watwat, Axolotl et Limagma. Donc à mon avis je prendrais plutôt Limagma, mais pour le moment je vous ferai une vidéo bonus comment expliquer pour avoir l'un des trois Pokémon œufs, donc à savoir Limagma, Axolotl et Watwat, voilà. J'ai un peu du mal à... donc ce qu'on va faire, c'est que... je me suis soigné ou pas là? Ouais, je me suis soigné, ok. Ce qu'on va faire, c'est que... On va se rendre à Irizia. En direction de Lugia. A savoir que Lugia, dès que je le verrai, hein, clairement, je vais utiliser la Master Ball. Mais je ne pourrai pas l'utiliser parce que c'est considéré comme un Uber, voilà. Un tentacle, ça m'intéresse pas, on fuit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des max repousses directement, hein. Ça c'est sûr et certain. Parce que sinon la grotte va être très très longue et ça va être assez chiant. Alors... ils sont où les repousses? Ah, elles sont ici, excusez-moi, j'avais pas vu. Alors... J'aimerais bien accélérer, mais j'ai peur après que si j'accélère trop... Oh merde! Oh, je l'avais pas fait, j'avais oublié, excusez-moi. On va accélérer par contre ce combat.
Alors tu vas mourir, tu vas mourir clairement. Un petit tranche, hop, voilà, tac. Ouais, poids sirène, un petit tranche aussi, hein, voilà, parfait, voilà. Parce que, bah, excusez-moi, j'avais pas fait attention à ce petit détail. Donc je sais absolument pas où il est Lugia, hein. Donc là ça va être totalement de la découverte. Parce que je me rappelle plus du tout où il est, hein, parce que je crois qu'il y a parmi, il y a 4 grottes. Il y a 4 grottes. Mais par contre, je crois que c'est un vrai labyrinthe, hein. ça va être assez chaud. Hein. Les tourbisils. Oh putain, il faut flash. Non, il faut flash. Putain, j'avais oublié ça. Allez, j'en ai qu'une et je peux apprendre qu'un seul Pokémon. Ah, ça m'énerve d'apprendre ça à Pharamp, hein, parce que c'est une attaque qui sert à rien, c'est juste voilà, pour voir les environs. Je vais enlever éclair, voilà, je vais enlever éclair, on sait jamais. Parce que voilà quoi. Si on voit rien, on va pas avancer. Hein. Ah, de toute façon, je pourrais très bien enlever A et BNL. Donc c'est pas très grave. Donc, j'avais dit que j'utilisais Flash. Voilà. Par contre, maintenant, je vais prendre Pharam parce que stratégiquement, hein, on sait jamais. Tac, tac. Voilà. Bon, je sais pas si c'est ici ou de côté. Oh, putain, c'est l'air d'être un vrai labyrinthe. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de dresseur parce que franchement, ça serait un peu chiant. Ou Carbon augmente la vitesse où on peut le vendre 4900 Poké-Dollars, c'est bien ça. Ça a l'air d'être un vrai labyrinthe. Hein. J'ai un peu peur. Hein. Pff, oh là 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 là. Au moins on récupère des Pokéballs, mais après, voilà quoi. Une guérison, tu vois. Ah merde, il y a peut-être des dresseurs, regarde, on voit un espèce de... Je suis papy. Un petit papy, là. Je sais pas, j'ai peur que ça soit un labyrinthe, hein. Clairement. J'ai très très peur de ça. Heureusement qu'on a les max repousse. Une guérison, bah allez, ça fait 2 guérisons qu'on obtient. Oui, j'en utilise un autre, hein, clairement. Tac, max repousse. Tac. Alors, est-ce que c'est ici? Oh là là, mais ça va être super compliqué, je pense. Par contre, on va récupérer beaucoup de Pokéball, hein. Là, c'est totalement de cheat. C'est peut-être ici, non? Je sais pas du tout, hein. Oh là 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 là, s'il faut cascade, j'espère qu'il faut pas cascade non plus. Hein. Oh, s'il faut cascade. Oh là là, non, 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 j'ai peur de ça. Oh, mais il y a plein de Pokéball, là. Hein. Oh. Allez, c'est un labyrinthe quand même. Hein. C'est un putain de labyrinthe. Putain, il faut force. Oh. Non, mais dis pas qu'il faut force, putain. Y'a pas un objet là? Non, y'a rien. Calcium augmente l'attaque. C'est bien, c'est pas des objets de merde en tout cas. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, non. On va galérer là. Heureusement qu'on est des max reboots, hein, parce que si je faisais chaque combat... Ce serait trop chiant. Mais là, clairement... clairement, ça va être chiant. Ah, mais j'ai peur qu'il faut force. Putain, c'est ça qui est chiant. Ok, bon, on va utiliser... Ah, j'ai pas envie d'apprendre force, mais... Je suis un petit peu obligé, hein. Voilà, force. 16-04. Apprendre le force à un Pokémon. Qu'est-ce qu'il peut l'apprendre? Qui peut l'apprendre? Ah, il est physique en plus d'art comme c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il pourrait enlever comme attaque par contre? Je peux pas enlever siphon. Ah mais coup de corne, voilà quoi. Coup de corne, c'est bien aussi, hein, 65/100. On va enlever de coup de corne, hein. Je suis désolé, mais voilà, on est un peu obligé. Hein.
Ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage, hein. Parce que là, on perd des bonnes attaques quand même, hein. Limite, maintenant, Darkrai, c'est plutôt le Pokémon CS, malheureusement. Mais là, on est un petit peu obligé, et puis j'ai pas envie de refaire des retours comme ça. C'est un peu chance, non. Ok, donc là, c'est pas bon. C'est un putain de labyrinthe, hein. Attends, on est passé par là, non? Oh mon dieu, t'es pas sérieux. Oh non. Non, 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 j'ai pas envie de refaire tout là. Oh putain, j'ai pas envie de galérer dans cette grotte. Oh sérieux. Putain, où te caches-tu, Lugia, s'il te plaît? On est un peu dans la merde là. Alors là, absolument, je suis où là? Je suis paumé là, je sais plus où je vais là. Putain. Ah, ça va être chaud, ça va être chiant ça. Donc c'est absolument pas par là par contre, hein. Clairement, c'est pas par là. Ouais. Ça va être compliqué, mais ça va pas être facile, hein. Attends, 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 attends. C'est peut-être ici. Est-ce que c'est ici qu'on a déjà été ou en haut? J'aimerais bien savoir. Attends, tac 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 tac. On va sauvegarder, ouais, on va sauvegarder. Parce que j'ai peur du bug quand même. Hein. On est à combien de minutes juste pour voir? Parce que j'ai pas envie trop de galérer. Hein. On est déjà à 20 minutes. Hein. Ça va être un épisode de, je pense, 40 minutes. Hein. Ouais. Je pense que ça va être un épisode de 40 minutes. Hein, parce que là, pour choper Lugia. Non, on s'en fout de l'appel. Eh vas-y, on utilise Flash. Heureusement que j'ai un Pokémon électrique, hein, parce que sinon, je galérerais comme un porc. Alors... Oh non, mais attends. C'est une blague. Ouais mais non, mais on a déjà été là, attends. Ah merde, Pokémon sauvage. Krabi on l'a déjà, donc soit on capture ou soit on peut changer et voir le prochain Pokémon qu'on trouvera. Mais là, clairement. Clairement, j'ai oublié la Max Repousse. Dégage. J'ai pas le temps avec toi. À dégager. Clairement, clairement, là, ça va être chaud, ça va être très, très chaud. Alors, Max repousse, tac, tac. Allez, vas-y, on continue notre périple à trouver le fameux Lugia. Hein. Merde, c'est pas par là. Attendez. Qui galère comme un porc, c'est chaud. Attends, j'ai peut-être trouvé. Attends. Ah non, mais à chaque fois faut faire ça. Attention au siphon. En plus, je sais que pour avoir en haut, on n'a pas besoin de tant de CS que ça. Hein. Et là, sur Silver, ils sont amusés. Hein. Force, Flash. Comment tu passes par là, là? On a été là ou pas? Je me rappelle plus. J'espère que pas. J'espère pas qu'on n'a pas été. Parce que... Qu'est-ce que c'est que ce délire?
Voilà, tac, tac, tac. Ah, faut faire le contour et tout. Ah, c'est chiant. Ils sont chiants. Allez, on y va. Ah, ici la bonne, celle-là. Je pense que c'est la bonne. Allez, hop, on y va. Allez. Putain, j'espère que c'est la bonne, hein, parce que là, clairement, ça va être chiant. Vas-y, flash, mon gars. Tac. Ok, oh. Attention là, pas se tromper. Non, non, pas la bouffe, mais elle se repousse, s'il vous plaît. Clairement, ça va être assez chiant. Super repousse, oui, mais c'est pas ça que je joue à Lugia, moi. On tourne en rond là, non? Je crois qu'on tourne en rond depuis tout à l'heure. Putain. Ça me saoule. Est-ce qu'il fallait là ou pas? Ils sont diaboliques hein, quand même. Hein. Pour les labyrinthes, ils se font plaisir. Hein. Genre on va tout visiter sur cet endroit des... Oh mais sérieux, t'es sérieux là? Non mais sauvegarde pas pour le moment, attends. Sac, Max repousse. Tac, tac. Oh mais sérieux. Oh c'est pas par là là, oh, putain. Là et bon, on tourne en rond sérieux là. Oh c'est horrible. Où est l'île où il y a? Aller là. On tourne en rond. Clairement, on tourne en rond là. Ça aussi ça va me saouler ce bug à la con. Oh, c'est chiant, ça c'est putain de chanceux. Ce bug! En plus, savoir que ce bug, si je sauvegarde, eh ben, ça niquerait toute ma partie de recommencer tout à zéro, donc faut pas du tout que je sauvegarde. Sinon, je serais un peu dans la merde. Putain, mais c'est quoi ces bugs? Ouais bon on va faire une ellipse hein, parce que ce bug commence à vraiment me casser les couilles là, ça me saoule. Re tout le monde. Alors, excusez-moi j'ai un petit truc dans la bouche, je mangeais du pain parce que j'arrivais pas à retrouver la sortie en fait. Attendez, je finis de manger.
Alors, à savoir qu'il faut, il y a 4 îles. Alors, vous avez 2 îles en haut vers la gauche, une île vers la droite en haut, une en bas à gauche et une en bas à droite. Voilà. Il faut prendre celle-là qui est la 2e île à droite. Voilà. En haut à droite, voilà. Alors, faut passer par là parce que la dernière fois, nous, on était passé en bas, donc c'était pas là qu'il fallait aller. Mais en fait, je sais pas si j'ai encore trouvé la solution parce que là... Attendez. Y'a quoi là-bas? Ok, non, à mon avis, là, faut pas passer. On va aller dans l'échelle. Ah, attendez. Ah, c'est peut-être là, attendez. Rappel, Maxo. Ouais, ça m'aide pas. Non, merci. C'est... Tu l'as enfin trouvé, je t'en prie, passe. Merci, c'est gentil. Ah. Non! C'est horrible. Je vais accélérer. Allez, Farampe! Coup de jeu, mon gueule! Voilà. C'était super rapide. Ah, c'est là, voilà. Ah non, merde, c'est pas là. Oh, c'est joli, en tout cas. J'aime beaucoup la cascade, là. Franchement, c'est vraiment sympathique. Ah, j'aime beaucoup. On va rester là pendant 5 minutes, voilà. Non, franchement, j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment joli. Alors, ça doit être peut-être en bas, non? Ouais, ça doit être en bas, hein. Encore un Pokémon. Ah, la soirée de fiche, t'es déjà, casse-toi. Merci, allez, salut. On va utiliser une masse repousse. Max repousse, voilà, 19. Tac. Voilà. On peut aller par là. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. D'accord, il y a plein de tourbillons, à mon avis, ça doit être ici. Hein. Ouais, si on a trouvé. Enfin on a trouvé. Hein. J'ai un petit peu galéré, c'est vrai. Je suis d'accord, hein. J'ai mangé mon bout de pain. C'est exact, c'est ici que nous allons accueillir Lugia. Quand le glas tempête que nous avons, que nous t'avions confié, entrera en résonance avec cette danse que nous avons répété chaque jour pour ce moment. Alors Lugia, Lugia qui dort dans la cascade réapparaîtra à nos yeux. Oh la musique. Oh, il est tellement beau. Oh là là là, Lugia qui apparaît carrément devant nous. Cet être n'est nul autre que Lugia, le protecteur de ses flots. Vénéré depuis des temps reculés, innombrables furent ceux qui tentèrent en vain d'arriver jusqu'à là. Mais ton cœur, jeune spectre, a résonné dans le glas tempête, et il est venu. Regarde, jeune spectre, Lugia semble, il semble qu'il attendait la venue d'un être tel que toi. Il m'attendait. Eh ben écoutez, on va essayer de le capturer. Si on n'arrive pas à le capturer, on utilisera la Master Ball parce que sinon on va perdre tous nos Pokémon. A savoir que je ne pourrai pas l'utiliser parce que c'est un Uber. Donc qui dit un Uber, qui dit un légendaire. Qui dit légendaire, qui dit Raik du Nozok ne peut pas être dans notre équipe. Voilà. On peut pas l'utiliser.
Les gars! Allez, c'est parti! Il est beau, hein, il est très très beau. Hein. Oh, la musique qui s'enchaîne très très bien. Hein. Point éclair. Ah, ça fait que dalle. Oh oh. Résiste. Comment dire, je flippe un peu, voyez-vous. hydrocanon, je flippe encore plus. Hein. Résiste, résiste. On change de Pokémon. Allez, on attaque. Avec coup de jus. Extra ascenseur, qu'est-ce que c'est que ça? On va faire attention quand même, hein, parce que là... Attention, résiste, résiste, résiste. Oui, il a résisté. Coup de jus, mon gars. On change de Pokémon. Clairement, on change de Pokémon. Hein. Aéroblast. C'est une attaque vol, hein, je crois. Oh, oh, stop, stop. Eh ben, en fait, je crois qu'on va utiliser la Master Ball, hein. Oh, mon Dieu. Ah, les dégâts. Ouais, on pourra pas l'utiliser, mais on aura toujours un Lugia dans le PC. Mais il y a beaucoup de dégâts. Hein. Oh là là, il a failli me tuer un Pokémon. C'était risqué, hein. J'aurais pu direct quand je le voyais Master Ball, mais j'avais essayé de le tenter. Je voulais le tenter à la Hyper Ball, le Rapid Ball, bah non. Tant pis. En tout cas, il est vachement classe. Hein. J'aime beaucoup ce Pokémon, en tout cas. Qu'est-ce que tu accomplis? Ça. Salut. En fait, ils disent tout le temps la même chose. Hein. D'accord. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser une corde sortie. Hein. Oh là là, il a failli mourir. Hein. Les deux ont failli mourir. Non, non, j'ai dit une corde sortie, j'ai pas dit vol. Attendez. Que je vois où c'est. Ouais, c'est ici. Oh, il a failli me les tuer. Hein. C'était risqué. Hein. J'ai failli perdre deux Pokémon bêtement. Hein. Mais là, heureusement que il m'a pas tué. Mais... Donc, c'était très très risqué. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à... C'est ici. Hein. On va utiliser... on va utiliser vol... Je sais plus comment s'appelle la ville. Voilà, ville griotte ou ville griotte. Oh. Maman. Je sais pas si on est obligé de... Je sais pas, attendez. Oh non, mon poussin. Non, je veux pas ton poussin. À propos, je t'ai mis 41 658 Poké-Dollars de côté. Tu veux continuer à économiser? Ah ouais, quand même, j'ai en fait j'ai beaucoup d'argent, hein. Je croyais que j'avais plus, je croyais que j'étais pauvre, j'avais plus rien, mais en fait si. Ah ouais, mais j'ai pas du tout soigné mes Pokémon. Qu'est-ce que je suis con. Allez, salut, soigne mes Pokémon s'il te plaît, merci beaucoup, merci, 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 merci beaucoup. Ah si, Pokémon, hein, ouais. Merci. Alors pourquoi aller à Villegriotte, vous allez me dire? Alors pour récupérer un objet que je me rappelais quand je jouais à Pokémon Soul Silver, c'était une personne qui donnait eau mystique et ça augmente la puissance de type eau.
qui pourrait être très très utile. Non mais attends, voilà. Voilà, le mystique. Donc ça augmente les attaques de type O, donc les capacités de type O. Donc ce qui est plutôt pas mal pour Alligator. Voilà, c'est pour ça que je voulais aller ici et soigner le Pokémon par la même occasion. Et ce qu'on va faire, c'est que on va aller... ouais, c'est à Bourgeon, voilà. Bourgeon. Et je crois qu'on est bientôt à la route victoire, les amis. On est bientôt à la fin du Let's Play partie 1, parce qu'il y a deux régions. Il y a partie de Johto et de Kanto. Là, on a fini pratiquement toute la région de Johto, et maintenant, il n'y aura plus que la région de Kanto, voilà. Et là, donc, ça veut dire que je peux capturer un Pokémon ici. À la route 27. Alors je sais pas qu'est-ce qu'on peut trouver comme Pokémon. Voilà, qu'est-ce qu'il me veut lui? Hey! Tu sais ce que je viens de faire? Tu viens de faire ton premier pas à Kanto! Regarde la carte de ton Pokématos. Ok. Alors, le Pokématos, voilà. La carte qui est ici. Et voilà, vous voyez que... nous sommes... à Kanto, les amis. Là, on est à Johto. Là, on est à Kanto. C'est totalement épique. Mais il n'y a pas que ça à visiter. Hein, vous inquiétez pas. Oh, il y a une teigne. Intéressant. Tiens, on va peut-être lui rendre visite. Hein. Ça serait marrant. Hein. Mais je suis sûr qu'il va se barrer de toute façon. Donc, ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... on va bientôt s'arrêter là, les amis. Parce que... bah, parce que l'épisode va faire bientôt 30 minutes. C'est-à-dire qu'on peut capturer un Pokémon ici, donc la route 27, et je pense que il y a beaucoup de Pokémon plus intéressants dans les herbes plus loin qu'ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va capturer un Pokémon ici déjà. Les chutes de Tojo. Ah, je croyais que c'était les chutes de Johto, bah non. Ah, il faudrait cascade. Il faudrait cascade, les amis. Il faudrait cascade. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'équiper. On va l'équiper. Voilà, l'équiper à notre cher Alligator. Je pense. Parce que je crois qu'il n'y a que lui qui... ah, il y a Draco qui peut la prendre, tu vois. Voyons voir ses attaques déjà. Puissance 90, puissance 80. Peut-être la prendre à Alligator en fin de compte. Hein. Je sais pas. Mais je pense que ça serait une bonne idée. Et par contre, qu'est-ce qu'on pourrait enlever comme attaque? Attendez, on va juste regarder au niveau de ses attaques. Il a quand même de bonnes attaques, hein, parce que casquette c'est une puissance de 80, ça peut aider. Mâchouille à tranche, j'ai envie d'enlever tranche, hein, ouais. Voilà. Donc voilà, donc on peut capturer un Pokémon ici. On va capturer un Pokémon ici, et je pense qu'on va s'arrêter là. Et après on va se tenter donc les routes 26 et 27. Et pourquoi pas la route victoire, hein, dans le même prochain épisode. Ça pourrait être pas mal. Oh, Ramolos. Ramolos. Bah écoutez, on va tenter une rapid ball. Hein. Il en reste une. Allez, une petite rapid ball. Et voilà, on a capturé un Ramolos. Donc j'ai pas vraiment de surnom pour Ramolos. Mais ça peut être un Pokémon intéressant, mais bon. Ça m'intéresse pas trop. Voilà. Donc on a capturé un Pokémon. Il y a une grotte là, si vous voyez bien. Alors, on va continuer. Ah merde. Alors qu'est-ce qu'il y a? Un Poissirène, j'en avais déjà capturé hein, de toute façon. Tac. Comment on fait pour aller là-bas? D'accord. Bah c'est ici en fait. D'accord. Je vais prendre un Pokéball qui est ici. Une pierre lune, bah de toute façon on n'a pas besoin pour notre Nuzlocke, mais on sait jamais hein, si je capture un Pokémon intéressant.
C'est une radio éteinte. Alors ici vous pouvez, si vous mettez, je crois que c'était Celebi, vous faites un combat avec Giovanni, donc c'est un event, donc voilà. Je sais pas si je vous montrerai les events qu'on peut obtenir. On peut obtenir... Oh Ratatak, tu vois, c'est marrant ça. Parce qu'il y, y a des events, par exemple, on peut avoir Pichu Event. Et donc débloquer, excusez-moi, un event au sujet de ça. Il y a aussi un event au niveau de Celebi. Je crois que c'était, je crois que c'est tout au niveau des events. Hein. Il y a aussi, si, il y a aussi l'event de Latias et de Latios, mais ça c'est à Kanto. Et je crois que je vous ai dit les trois events principaux, mais je sais plus s'il y en a d'autres. Oula, route 27, attendez, peut-être une dresseuse. C'est rare de voir quelqu'un ici. Tu t'entraînes au solitaire, oui. Et on va voir ce que tu as et après on va se laisser là les amis. Voilà, 3 Pokémon. Coup de jus. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on va affliger de dégâts. On va peut-être accélérer. Ah ouais, il fait rejoucement, ça sert à rien. Vas-y, vas-y, un petit coup de jus, allez, hop, dégage, ça sert à rien. Air bizarre, air bizarre, air bizarre, bizarre, air bizarre, air bizarre. On va prendre One Island. Hein. Clairement, on va prendre One Island. Voilà, et niveau 32. Hein. Faire trancher. Oh, j'ai évité l'attaque, merde. Oh, lui aussi il a évité l'attaque, qu'est-ce qu'il est nul. Danse fleur. Ça fait que dalle. Et voilà, on l'a dégommé. Et Florizarre, on va tenter un vol, hein. On va tenter un vol parce que... Florizarre, c'est un gros mastodonte, hein. Poudre de dos, non, je m'en fous. Dégage. Vas-y, on va dégommer le Florizarre, je pense. Hein. Nickel, on l'a one shot, les amis. En tout cas, vous avez plaisir. One Island qui est un petit peu de cheat. Hein. Clairement. Voilà, c'est nickel. Bah ça alors. Eh ouais, bah attends, tu crois quoi? Et donc, les amis, on va s'arrêter là. Non, c'est maman, on s'en fout. On va rentrer dans la maison. Non, on va pas rentrer dans la maison, on va se laisser là les amis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux liker la vidéo si tu as aimé. Tu peux aussi commenter. Tu peux aussi commenter pour me donner des astuces pour ce jeu, pour me donner des astuces pour mon périple. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube ainsi que ma chaîne secondaire Spectro Legends, Spectro Love, où je fais des vidéos sur League of Legends avec les youtubeurs et abonnés. Et puis tu peux aussi rejoindre le fanguide de Pokémon Dark Destiny. Le son me casse un peu les oreilles là au niveau du Pokématos. Et tu peux aussi rejoindre le projet Pokémon Dark Destiny. Donc la démo 1.1 est disponible. La 1.2 sortira très bientôt. Je remercie énormément la team Destiny. Au passage, petite dédicace à toute la team qui font un travail monstrueux sur, sur Pokémon Dark Destiny. Et bien sûr, il y a aussi la page Facebook de Pokémon Dark Destiny. Je crois que j'ai tout dit les amis. Il y a aussi le forum. Vous avez juste à vous inscrire et profiter des news en temps réel. Allez, salut tout le monde et on se retrouve pour la suite de ce Nuzlocke Challenge.